Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour la suite et sûrement le début, le vrai début de Neverwinter Nights, Shadows of the Underdark. Non, Halls of the Underdark, j'ai plus l'habitude de Shadows of the Undertide. Le premier épisode qui est sorti il y a un petit moment, où on expliquait le principe et les bases hein, de cette nouvelle extension. Notamment le fait qu'on fait un semi-roll, ce qui explique que j'ai trop peu d'objets parce que je me les ai fait voler. Ça arrive à tout le monde. J'ai droppé un max de pierres solitaires, c'est bien. J'ai expliqué un petit peu les objets, donc enfin certains objets importants tels que la relique du faucheur, les pierres solitaires. Le bouquin, juste ici le livre usé, d'ailleurs Dikin. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à regarder l'épisode 180 du coup. Et pour faire rapidement, pendant que je vais me reposer, ah ouais, d'accord, donc il y a une vraie animation de repos. C'est perturbant, je dois l'avouer. Oh mais il y a des corps, oh c'est parfait, bon on ira choper les restes après. Du coup, pour faire simple, nous sommes dans une auberge. Techniquement ça se passe après notre aventure de Hundred Tide et de comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le mot. Enfin, j'ai oublié. Notre aventure pas d'hiver. Je récupère quelques trucs. Nous avons été réveillés donc par une voleuse. C'est comment? Gwent? Gwent? Je ne sais plus. Par une voleuse. J'ai oublié le nom de Sarah si je m'en excuse. Qui voulait nous tuer. Sauf qu'on servait, on dormait avec un couteau et nous avons pu le tuer. Nous avons appris d'ailleurs que ces créatures viennent de ce portail qui se trouve juste ici, duquel on ne peut évidemment pas revenir, sinon ce serait trop facile. Et quatre de nos compagnons, quatre personnes se sont jetées là-dedans. Et on nous a donné un sceptre de résurrection qui nous permettra de les ressusciter afin qu'ils reviennent ici. Seulement, on nous a conseillé d'aller faire quelques emplettes. Et je suis d'accord avec ceci. Donc, cette première partie de cette session, ce sera pour acheter un max de trucs. Je vais d'ailleurs me remettre la map. Est-ce que je peux sortir? Ah non, vers eau profonde, cuisine. Ok, donc c'est con. Et là-bas, c'est les chambres, il me semble. Ah non, c'est la sortie, là. Ah, si je pouvais avoir la ville. Abri de fortune, non, c'est de la merde. Et là, c'est vers les chambres. Très bien. Donc, je ne peux pas sortir, c'est sympa. Donc, je vais quand même aller dans la cuisine. Hein, enfin, voir les gens. Salut. Je suis venu faire mes preuves. Peut-être que mon cul l'habite. Y a-t-il des choses à la cuisine? Cuisinier, parfait. Est-ce que tu peux me vendre des trucs? Salut. Salut. Toi. Bien bonjour. Non, tu me... Putain. Oh bah je vais voler. Hein, voilà, je vais faire comme ça. Du cuir. Mais qu'est-ce que vous foutez avec du cuir, les mecs? Vous êtes dans une cuisine. Ah, puis il y a quelqu'un d'autre. Bien bonjour. D'accord. Bah moi, on m'avait dit fais des courses et ils étaient ouf. Ouais, sympa les courses. On va quand même parler un petit peu à tout le monde. Non, bon dégage les notes. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai le droit de sortir. Ah oui. Bluff. À moins que intimidation. Ah ouais, on peut sortir. Merci. Et nous sommes au profond. Est-ce que j'ai oublié de mentionner ce détail? Oui. Alors. Ah oui. Alors on va. Bonjour. Monsieur Yann Black. Je vais pas me débrouiller dans les rues. Et bah c'est ça, on va se débrouiller dans les rues. On va t'aider. D'accord. Alors, le jeu est en train de m'envoyer un message.
Vous allez mourir. Ah mais c'est lui qui invoque tout ce merdier. Il vient d'où cette ours? Ah il est là. C'est lui, c'est le prêtre. Ok. Bon bah on visite un petit peu au profond. Hein? Cette charmante bourgade. Oh il y a un rat. Alors voyons voir, là je ne peux pas y aller ici, là c'est d'où je viens, il y a une barricade ici et une boutique, et bah tiens, allons à la boutique. Oh, les gens. Les gens, lequel? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, non, vous êtes là que pour, voilà, vous êtes là que pour ça. Oh tiens, il y a des trucs partout. Évidemment. Là c'est là d'où je viens. Donc une barricade. Et la boutique. Et évidemment. N'avez-vous pas vu la pancarte? Nous sommes fermés. Partez et revenez quand cette guerre sera finie. Et nous, quand le couvre-feu sera. Ah. Merci. Au moins, l'ordre a été direct. Salut, ça va? Tranquille? Waouh! Salut mon petit gars! Comment se déroulent vos aventures? Dès que j'ai entendu votre nom. Mais oui, alors. Mal, je sobrerai. C'est arrivé en attaque. Je passe un petit peu de dialogue, mais bon. Peut-être une bonne histoire, non que... Ah, une Cocatrix. Oh, bonjour. J'aime beaucoup les combats des Cocatrix. Montre-moi ce que tu as. Notamment en divers, en potions et en objets. Oh, qu'est-ce que c'est? Des venins d'araignée très peu virulents. Armes empoisonnées. Oh. Des teintures, des pierres de tonnerre, ou mitre... Ça pourrait être utile. Ouh, mortel. Oh, oh, pas mal. En objet magique, voyons, des bâtons, des bâtons de commandement, des colliers, j'ai un collier. Non, je suis tout fait niveau magie. En parchemin potion. Ouh là 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 là, tu m'intéresses un peu. Parchemin vierge, quoi? Ah ouais, pas mal ça. Qu'est-ce que c'est? Fiole de potion magique. Ah ouais. Ah mais il y a beaucoup trop de choses en plus dans ce truc. On peut créer des parchemins et créer des potions. Intéressant. Qu'est-ce que tu as comme arme intéressante? Des odes, évidemment, des carreaux et des flèches, ouais. Alors écoute mon gars, c'était très sympa de ta part. Et ben... Très beau golem, au passage. Hein. Bien modélisé, tout. Voyons voir où puis aller le port. Ah, aux armes. Parfait, une armurerie. Ça pourra être utile. Je vais aussi fouiller des maisons, tiens. Ah, mais je suis un voleur, je peux déverrouiller. Ah, suis-je bête. Non, monsieur le garde, vous n'avez... Oh, un point vert chaotique. Oh... J'en ai au moins presque 30 vers le bon. Ça va. Je suis où? Oh, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je suis tombé? Alors, j'ai pas pu voir où j'étais vu que ça allait un peu. Ouh, petit coffre. Ah non, non, touche pas. Je l'ai vu. Il y avait un piège. Ne touche pas ce coffre, attention. Alors pour le moment il n'y a pas d'action, c'est normal, rassurez-vous. Poudre asphyxiante et une grenade. Toujours ça de prix. Puis ça pourrait être utile à un autre moment. Hein. On va continuer un peu. Là où il n'y a rien, ici il n'y a rien. Ah si, il y a un truc ici, il y a une
tour, une barre de l'autre côté. Tant pis. Ici, c'est fermé. Barre de l'autre côté. Ah ah, simplement verrouillé. Oh, écoutez, il n'y a personne à voir ce rat. Un point vert chaotique. Mais pourquoi? Mais qui m'a vu? Qui me voit? Une boutique. Un râtelier d'armes. Ah, un râtelier d'armes. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, oh, très bel arc long qui ne m'est pas utile. Un sac posé juste là. Ah, potion, pierre et surtout des soins. Et un coffre verrouillé. Qu'importe. Qu'importe, vous dis-je. Une grenade. Bon. Bon, par contre, tout le monde s'est barré. Mais a pris le temps de fermer ses maisons, ses portes. On ne sait jamais, un voleur comme moi pourrait passer discrètement. Et puis tout prendre. Bonjour. Ah, bah toi, t'es ouvert. Tranquille. Alors, forgeron. Ah, toi. Bonjour. Vous avez l'allure d'une personne aventureuse. Et je suis heureuse de vous voir ici. Que peut Argalisiel pour vous aujourd'hui? Que vendez-vous? Ouais. C'est une noble philosophie, écoute. Mais tu parles de toi la troisième personne. Oh là là. Oh, Oui, faites-moi voir ton inventaire. Oh, on est encore meilleur, mais calme-toi. Ah, ah, des belles armes, des belles armures. Oh, j'ai 22. Non, il me faudrait une meilleure arme, je t'avoue. Alors, ouais, des flèches, des frontes, des trucs, des machins. Ouh, oh là là, des haches. Ouf, des épées bâtardes. Oh là 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 là. Oh, tu me fais plaisir. Oh là 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 là. Des... Ouf. Oh là là, qu'est-ce qui me fait plaisir. Ouh, ouf. Et puis à demain, plus deux. Oh, une hache double. Oh là là. Oh, une épée à deux mains plus 3. Oh là 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 là. Oh, une double lame. Mmh. Ah, oh, tu me fais plaisir. Ah, j'hésite. Ah, 2d6 ou 1d8. Ah là là. Ah là, il y a 1d8, 1d8. Sauf que ça, je ne sais pas quoi prendre. Je vais opter pour la double lame. Hein? Voilà, je te vends cette merde et je m'équipe de la double lame. Je garde quand même ma dague. Ouh là là là, ça va aller bien. Ça va être très bien. Là, qu'est-ce qu'on a? Un autre protection, plus 3, plus 2. Et en divers, une torche. Normalement, j'ai une torche. Je n'ai pas de torche. Ah. Comblons ce manque de la teinture pour métal. Ouh, est-ce que je prends une petite teinture cuivre? Oh, or brillant. Est-ce que je peux l'utiliser là-dessus? Oh, est-ce que ça a marché? Oh, est-ce que c'est brillant? Moi, je veux savoir si ça a marché. Non, attends. Tac. Utilise. Attends, utiliser. Lance un sort, extraire, vendre. Ah, utiliser sur la double lame. Oh, armure ou homme. Oh bah dans ce cas, voyons. Sur ma cape. Une armure ou un homme. Mais c'est une... Ah bon bah dans ce cas. Oh, est-ce que c'est en or? Je ne sais pas si c'est en or. Bon, je garde, c'était un kiff. Voilà. Je me suis fait un kiff, je sais pas si ça a fonctionné ou quoi. Ah non, d'accord. Tu es un garde, oui. Qu'est-ce que... Bah en fait, c'est tout ce qu'on peut visiter. Ouais, là, il y a un garde. Là, c'est... Lampadaire. Je peux éteindre, allumer un lampadaire. Ouais. Bon, là, il n'y a plus rien. Non, y'a plus rien.
Ouais. Bon, eh ben, c'était cool. On a un peu visité, on est en profonde. C'est cosy. Excusez-moi, j'aimerais ouvrir. Enfin, j'aimerais venir en fait. Bon bah tu m'énerves. Le portail bien. Oh, j'y suis pas allé. Est-ce que c'est là d'où je viens? Je sais plus. Oui, c'est là d'où je viens. Je ne sais plus d'où je suis. Je ne sais plus où je suis. Bon, eh ben, moi je suis prêt. Je suis toujours prêt en fait. Est-ce que tu peux me soigner? Bienvenue. J'ai besoin de soins. Bienvenue. Qu'est-ce que tu me proposes? Normalement, je t'ai pris plein de potions de restauration partielle. Je t'en ai pas pris assez. Donc, ouais. On va dire que... Je suis large? Non. Voilà. Bon. Je pense qu'on est bien. On va pouvoir y aller. Alors, je suis prêt. Allez, c'est parti. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Oh, ce mouvement de caméra. Hall d'entrée. Wow. Ah oui, d'accord. Ah, salut, Gobelin. Non, vous n'êtes pas feu. Non. Pas de travail pour Ocre non plus. Non. Cherpillère vous a jamais vu. Moi, souvenir. Peut-être vous travail pour personne. Peut-être. Je ne sais pas. Oui, c'est bien. Tiens, tous les autres sont fous. Ici, fou à se battre, à tuer. Mais pas vous. Non. Oh là là là. Non, Serpler veut pas être engagé, pas s'il faut aller plus bas dans le profond, Serpler veut juste parler. Alors, vous voulez parler? Oui, parlez-moi, je sais pas taper magique l'information. Tu sais quoi de mon profond? Oh, il est fait des ogres. Ogre au nord, fait au sud, armée de l'ogre mage, de la reine des fées, tapé pour contrôle. Ah! Et là, c'est reparti. Oh, merci pour la quête. Ah bah oui, ça va être bien. Comment vous êtes arrivé ici? Ah bah oui, d'accord. Qui est devenu le reste de la tribu? Croissant. Bien. Je vais y aller. Serpent va sortir de donjon, trop de tapage, trop de tuerie, vous aider. Dans le doute, savoir si ça a servi. Parce que si je l'ai tué, ça sera un peu bad. Non, c'est bon, je l'ai pas tué. Là, c'est la gentille personne qui a envoyé. Non, c'est normal, vous inquiétez pas. Je pense qu'il est le fossif, allez. Hein, on sait jamais. Voilà, trempant vers le bon. Ça compense mes crochetages de porte. Hein, c'est un marché équitable, non? Allez, fantastique. Oui, c'est bien. Waouh, j'ai réussi une quête. C'était énorme. Trop bien. Je vais quand même regarder ce qu'il m'a dit. Parce que j'ai de nouvelles entrées dans le journal. Alors, on rentre vers mon profond. Oui.
Vous avez découvert que les stars ont disparu, plongeons profond. La souffle d'intérêt de Saint-Germain. Où est parti à la stère? Et il le faut. Alors, où je vais? Je vais là, sans doute. Ouais, ça a l'air chaleureux. Ça a l'air chaleureux de ouf. Wouah! Goûtez à ma colère! Oh le. Ah le. Sac! Je tape moins fort ou c'est une blague? Ah, je pense que je vais m'équiper de trucs à deux mains, moi. Je crois que c'était pas une bonne idée ce que je viens de faire. Je crois que c'était pas une bonne idée, ouais. Mais j'accepte ma connerie. Parce qu'on s'amuse. Alors, niveau 1, centre. Ok.